إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق والعزيمة. Comme la semaine dernière, nous avions commencé à étudier quelque peu ce qu'est la voie droite qui est décrite dans le Coran al-Karim à travers l'expression coranique, Sirat al-Mustaqim. Et nous avions vu aussi les ordres qu'Allah Azzawajal nous enjoint, les choses qu'Allah nous enjoint de faire sur le fait de devoir s'accrocher à cette voie. Et nous avions vu trois bases. Si une seule vient à manquer, eh bien la droiture en tant que telle, l'istiqama, n'est pas complète, ou bien alors même pire que cela, n'est pas existante, malgré l'illusion qu'elle existe. La première des choses, c'est la reconnaissance intellectuelle des concepts dogmatiques, c'est-à-dire reconnaître avec son intelligence, avec sa propre réflexion, des concepts de croyance, comme par exemple le fait qu'Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses. Ça, il faut le valider intellectuellement. Comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit tout, entend tout, qu'il connaît tout, qu'il est parfait et que sa justice est absolue, par exemple. Cette chose-là, pour pouvoir réellement l'accepter et changer nos vies et caler nos vies vis-à-vis de ces concepts dogmatiques, ben, il faut réfléchir dessus et les comprendre. La deuxième base, comme nous l'avions dit la semaine dernière, c'est de ressentir ces choses. D'accord, Akhil Karim, tu reconnais qu'Allah est le créateur de toutes choses. Tu reconnais qu'Allah voit tout, entend tout. Mais est-ce que tu ressens le regard d'Allah ? Est-ce que tu ressens le fait qu'Allah connaît les moindres de nos pensées, voit les moindres de nos gestes, connaît les moindres intentions qui motivent nos actes et qui agitent nos cœurs ? Est-ce qu'on le ressent ? C'est la raison pour laquelle, parmi les conditions réelles, non pas les conditions, c'est un mauvais terme, mais parmi les bases importantes, c'est le fait de ressentir. Parce que si je valide intellectuellement, mais que je ne ressens pas, eh bien il n'y aura pas de conséquences dans ma vie. Je dirais, je suis musulman, mais finalement dans mon existence et dans les choix difficiles que j'aurai à faire, lorsque j'aurai un choix à faire entre par exemple mon dîn ou bien alors la vie d'ici-bas, mon dîn ou bien alors mes passions, mon dîn ou bien alors l'aval des gens qui sont en face de moi, eh bien je vais choisir les autres et je ne choisirai pas mon dîn. Tout comme celui qui déclarerait que sa femme est la mère de ses enfants et que donc il lui doit tout un tas de choses, du respect, de l'amour, de l'épauler, d'être là pour elle. Mais il ne ressent rien dans son cœur. Va-t-il réussir à appliquer ces choses-là? S'il ne ressent pas, ce sera très difficile. Et la troisième des choses, c'était le fait de transformer tout cela en acte. Après avoir compris, après avoir ressenti, il faut concrétiser tout cela en acte. Notamment par les actes d'adoration. Et quand on parle de concrétiser par des actions, les gens pensent tout de suite aux adorations en tant que telles. Bien sûr, on adore Allah dans nos prières. Lorsqu'on fait siyam, lorsqu'on paye sa zakat, lorsqu'on fait le hajj, et on demande à Allah Azza wa Jal d'accepter le hajj de tous nos frères et sœurs qui viennent juste d'en revenir. Ya Rabbal Alamin. Dites Amin. Allahumma taqabbal minhum hadha al-hajj ya Rabbal Alamin. Mais il y a aussi une autre dimension qui est celle des mu'amalat, c'est-à-dire les relations entre les créatures. C'est une adoration d'acheter selon les règles de l'islam, de vendre selon les règles de l'islam. Vous savez, l'imam Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il était khalifa, il partait dans les aswaq, c'est-à-dire dans les marchés, où les gens achètent et vendent, et lorsqu'il voyait des vendeurs, il leur posait des questions très précises, au niveau juridique, sur la façon dont on achète et on vend. Et ceux qui ne savaient pas répondre à ces questions, il leur interdisait purement et simplement de vendre. On adore aussi Allah Azza wa Jal dans notre façon de vendre et d'acheter, dans notre façon de nous marier, dans notre façon qu'Allah nous préserve aussi de divorcer. C'est une vision complète des choses. Et ainsi, le tatbiq, c'est-à-dire l'application, est une application qui correspond à un mode de vie qui est l'islam. Une fois qu'on a pu essayer de comprendre ce qu'est la droiture, eh bien en fait il y aura trois dimensions à cette droiture. La première des dimensions, c'est la relation avec Allah. Ça veut dire quoi être droit avec Allah? Ça veut dire le connaître, ça veut dire l'adorer comme il se doit. Cela signifie ne pas faire œuvre de polythéisme, de shirk, d'associationnisme,
même si ce terme est un néologisme qui n'existe pas dans la langue française à l'origine, mais en tout cas le fait de ne pas associer quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal, avoir une relation saine avec Allah. Et quelle est la relation saine? On va le voir par la suite. Deuxième des éléments, cette istiqama, avant même de vouloir l'appliquer avec les autres, il faut l'appliquer avec nous-mêmes. Être exigeant avec nous-mêmes. Vous savez, il y a un verset de la Bible qui porte un sens qui est vrai, qui dit « Avant de regarder la brindille dans l'œil de ton frère, regarde la poutre qu'il y a dans le tien. » Et parfois des gens, « Mashallah, tabarakallah, rentrent dans le dîn, comme on dit. » Alhamdoulilah, vraiment, il y a un tamassouk, il y a un amour de la sunna, un amour du Qur'an. Et même si parfois la jeunesse est un petit peu trop fougueuse, mais c'est normal, la jeunesse est fougueuse, c'est normal. Mais on aime voir ça chez les gens, tabarakallah. Mais la personne, avant même de se purifier lui-même, commence à regarder les défauts des autres. Avant même de voir la qualité de sa propre prière, la qualité de sa propre relation et la constance de son adoration. La constance, très importante. Ça fait 3 mois qu'il prie et il veut juger des gens qui prient depuis 30 ans. Eh bien ça, c'est des gens qui n'ont pas compris un certain nombre de choses. Notamment le fait qu'avant de vouloir regarder les relations avec les autres, on regarde déjà la relation avec sa propre âme. C'est une purification de l'âme. C'est un effort constant. C'est une constance dans l'adoration et dans la validation de ces concepts, le ressenti des concepts et l'application des concepts. Troisième des choses, bien évidemment, le fait d'appliquer cette istiqama avec les autres. Et comprenez une chose lorsqu'on parle du bon comportement avec les gens. C'est un bon comportement qui est basé sur une relation avec Allah. Ça veut dire quoi? Avant toute chose, si je suis juste avec toi, c'est en adoration pour mon Seigneur. Avant toute chose, si je respecte tes droits, c'est en adoration pour mon Seigneur. Avant toute chose, je vois en toi une créature d'Allah. C'est-à-dire l'être humain est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc en fait, ma relation avec toi est conditionnée par ces concepts-là. Et là, effectivement, lorsqu'on a un bon comportement avec son voisin, lorsqu'on a un bon comportement avec un musulman ou un non-musulman, peu importe, et qu'on a des relations apaisées, on a une récompense pour cela. Mais il faut quoi? Que cela revienne sans arrêt à notre relation avec Allah. Parce que si maintenant, rentrer dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parle du bon comportement, c'est juste faire un sourire à son voisin, mes frères, on n'aurait pas besoin d'être musulman pour rentrer au paradis. Il suffirait juste d'être gentil avec les autres. C'est très important cette chose-là. Très important. Fa kay nabda ala usul thabita, awwalan القرآن هو كلام الله عز وجل فهو الحق المبين كما يقول الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Afin qu'on puisse avancer sur les choses d'une façon claire, il faut parfois se rappeler des fondements. Et vous savez, les fondements, même les sahaba radiallahu anhum, sans arrêt se rappeler ces fondements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même lorsqu'il parlait à Abu Bakr Siddiq radiallahu anhum, il lui rappelait des fondements. Et parfois on a malheureusement des gens qui se disent, oui mais là on est en train de parler des mabadi, des choses de base, on les connaît. Tu les connais, mais est-ce que tu les ressens, Akhil Karim? Vous savez, les sahaba radiallahu anhum ne se lassaient jamais de l'explication d'une sourate comme suratul ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Ou bien « Qul a'udhu bi rabbin nas » ou bien « Qul ya ayyuhal kafirun » Vous savez pourquoi? Parce que chez les sahaba radiyallahu anhum, on ne disait pas « Kam tahfaz min kitabillah »« Kanu yaqulun kam ma'aka min al-Qur'an »« Ma'iyya ma'al Qur'an » Les sahaba radiyallahu anhum ne disaient pas « Combien tu as mémorisé du Qur'an » Ils disaient « Combien y a-t-il avec toi dans ton cœur, dans ton être du Qur'an al-Karim » Si on avait simplement suratul Fatiha du Coran dans nos cœurs, dans nos actions et dans nos esprits, on serait parmi les salihin. Ya Rabbal Alamin, Allahumma ja'alna minhum ya Rabbal Alamin. Qu'Allah fasse de nous des hommes pieux. Al-amru thani, as-sunna as-sahiha hiya sharhul Coran. Deuxième des choses, la sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'explication du Coran. Comme yaqul Allah azza wa jal, وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Ce qui signifie: et Allah Azza wa Jal a descendu sur toi le livre et la hikma. La hikma, c'est la sagesse. Sachez que dans le Coran al-Karim, lorsque nous avons ces deux termes-là ensemble dans le même verset, al-kitab,
wal-hikma, dans le même verset. Eh bien, le mot kitab ici signifie le Qur'an, et al-hikma signifie la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Et nous avons, et Allah Azza wa Jalla a descendu sur toi, le Qur'an et la sunna authentique et purifiée. Et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur toi sont nombreux et immenses. كيف نفهم القرآن بدون شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أمر مستحيل. Comment allons-nous comprendre le Coran sans la Sunna du Prophète صلى الله عليه وسلم et sans un tamassuk bi Sunna, sans un accrochement réel à la Sunna du Prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Le principe est simple. Allah عز وجل a créé le monde et il a envoyé des prophètes comme étant la voie. Comment voulons-nous marcher sur cette voie, Sirat al-Mustaqim, si nous délaissons la voie que nous a tracée Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Wal amru thalith, as-sahaba radiyallahu anhum, hum tullab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa hum alladhina qad fahimu sunnata kama yanbaghi. Troisième des choses, on a dit le Coran, donc la première des choses c'est la parole d'Allah. La sunna, c'est l'explication de cette parole d'Allah, et donc c'est une vérité absolue aussi, bien évidemment, lorsqu'elle est authentique. Et troisième des choses, qui va nous expliquer la sunna? Les élèves du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est les sahaba, radiyallahu anhu. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens du hadith, les meilleurs des hommes sont ceux de mon époque, les sahaba. ثم الذين يلونهم, ceux qui vont suivre les sahaba, on appelle ça les tabi'un. ثم الذين يلونهم, et on appelle ça la troisième génération, tabi'un tabi'in. C'est-à-dire qu'en fait on a ici une recommandation prophétique sur, vous voulez comprendre le Coran, retournez à la sunna. Vous voulez comprendre la sunna, retourner à ses premières générations. Alors on va tout de suite écarter du revers de la main certaines théories qui visent à dire « Oui, mais ces hommes-là vivaient il y a 1400 ans, ils ne peuvent pas répondre aux questions actuelles. » Bien évidemment, le téléphone n'existait pas, la carte bleue n'existait pas à l'époque, l'avion n'existait pas à l'époque, et on ne prétend pas que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu pouvait répondre dans les livres à ces questions-là, bien évidemment. Mais par contre, les règles qu'ils ont employées, on peut utiliser ces règles pour répondre aux questions contemporaines. Et c'est une idiotie profonde que de vouloir séparer les salafs de notre époque. S'affilier aux salafs, s'affilier aux premières générations, ne signifie pas que l'on veut se déplacer sur un chameau, avoir des vêtements qui sont cousus à la main, et ne pas prendre l'avion ou ne pas prendre la voiture. Ce ne la signifie pas cela. Cela signifie qu'on va retourner aux règles de compréhension qui ont été enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa l'istiqamatu hiya ar-ruju'u ila al-fitra laysat bi amrin jadid. Il faut comprendre aussi une chose, c'est que la droiture n'est pas une chose nouvelle pour ton âme, pour nos âmes. La droiture, c'est simplement le fait de revenir à l'état originel, ce que l'on appelle la fitra. كما قال الله عز وجل وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. Ce qui signifie, et Allah عز وجل a pris leur propre témoignage contre eux-mêmes en leur disant, ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils dirent, bien évidemment, nous attestons de cela. Avant même que nos corps ne soient, que nos âmes, pardon, ne soient mis dans nos corps, Allah Azza wa Jalla a réuni toutes les âmes de toutes les créatures, musulmans ou non musulmans. Et il leur a dit, ne suis-je donc pas votre Seigneur? Et ton âme, mon âme, l'âme même d'un non musulman a répondu, bien sûr Allah Azza wa Jalla, nous témoignons que tu es notre Seigneur. Et ça, ça a mis dans les âmes ce qu'on appelle al-fitra. C'est ce besoin interne que toute créature a à chercher le divin. Ainsi, tu ne trouveras pas une seule civilisation dans laquelle, en fait, où il n'y a pas une relation avec le divin, peu importe la forme que cela prendra. L'istiqama, la droiture,
c'est de revenir à cet état primaire du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'unicité absolue d'Allah qu'il a mis dans nos cœurs. Wa istiqamatuna izzatuna. Istiqamatuna izzatuna. Wa dinuna izzatuna. Wa man taraka al-izza adhalla nafsa wa haqqara nafsa wa akhza nafsa wa ahana nafsa. Très important de comprendre que cette droiture est notre fierté, que ce din c'est notre fierté, et que celui qui va vendre cette fierté pour des choses de la vie d'ici-bas, pour se faire accepter, pour pouvoir avoir un travail, pour pouvoir avoir des gens qui autour de lui vont lui dire tu es quelqu'un qui nous correspond, tu es bien, tout en désobéissant à Allah Azza wa Jal, c'est une personne qui s'est avilie. Ikhwan, anta muslim. فالله اختارك أتفهم معنى هذا؟ اختارك الله سبحانه وتعالى بين ملايين من المخلوقات مليارات من المخلوقات اختارك أنت فكيف تكون على الصراط المستقيم. Il est très important de comprendre cette notion-là de je suis un musulman. Akhi al-Karim, c'est pas ta naissance qui a fait de toi un musulman. C'est pas ton origine de maghrébin ou d'africain ou de pakistanais ou d'asiatique ou d'arabe ou de berbère, ce n'est pas ça qui a fait de toi un musulman. C'est Allah qui t'a choisi. Allah guide qui il veut, égare qui il veut. Ça veut dire que toi, en tant que musulman, à partir du moment où toi, tu es une personne droite, qui prie, incha'Allah, qui tente de purifier son âme, tu as été choisi par Allah Azza wa Jal. Un cadeau qui est inestimable. Alors quel sera l'état de l'âme de celui ou de celle qui est prêt à vendre ou qui est prête à vendre cet honneur contre des bassesses de la vie d'ici-bas? A-t-il une valeur? Ou bien alors est-ce qu'il n'a pas humilié sa propre âme? Les gens pensent parfois qu'en délaissant des choses de notre din pour des choses de la vie d'ici-bas, que ce soit de l'argent, femme, passion, travail, position, ils ont l'impression simplement en fait qu'ils ont manqué à leur devoir. Je ne vois pas les choses comme ça. Pour moi, c'est beaucoup plus profond, en fait. C'est qu'à ce moment-là, en fait, on a oublié que la majorité des gens sur cette terre ne sont pas musulmans. Malgré pour certains leur bon comportement. Malgré pour certains tout le bien qu'ils ont pu faire pour les autres créatures. Malgré cela. Mais que toi, Allah Azza wa Jal, t'as choisi. Qu'Allah m'a choisi malgré mes défauts. Malgré les manquements que je peux avoir. Imagine-toi une personne qu'on va choisir dans la rue et à qui on va donner 1 million d'euros et qui ne dirait même pas merci. Vas-tu le respecter celui-ci? Imagine-toi une personne à qui on aurait donné dans la rue 1 million d'euros plus une femme pour se marier, tabarakallah, la plus pieuse et la plus belle des femmes, plus une maison, une zidou. Et celui-ci il ne dit même pas merci belle, tu sais ce qu'il fait? Il va insulter celui qui lui a donné. Eh bien la désobéissance c'est cela. Mais ça nous concerne tous, et moi le premier. Mais il faut qu'on se rappelle de ces éléments-là. Quand on est musulman, c'est qu'Allah nous a choisis. Allahumma ja'alna muslimin. Wa ja'alna nahya muslimin. Wa namutu muslimin. Demande à Allah de faire de nous des musulmans qui vivent musulmans et qui mourront musulmans. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim. Wa nafa'ani Allahu wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa huwa al-ghafur rahim. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمن أذل نفسه بترك الاستقامة والطاعة فقد يدخل في آية من القرآن الكريم إذ قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. Ce qui signifie dans le sens, qui est donc mieux guidé, celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit. Une des problématiques, c'est que parfois, en fait, on a fait sortir « قَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ قُلُوبِنَا بُغْضَ السَّيِّئَاتِ فَنَرَى السَّيِّئَاتِ وَالْمَعَاصِي وَكَأَنَّهَا عَادِيَةٌ تَعَوَّدْنَا عَلَيْهَا
وهذا يدل على ضعف عظيم في الإيمان. Parmi les problématiques que nous avons, c'est le fait d'avoir banalisé les péchés, non seulement les nôtres, et je dis nôtres parce que je m'inclus dedans, mais aussi les péchés des gens que nous avons en face de nous. Ma'asi zaoujatik, ma'asi zaoujik, ma'asi abna'ik, wa banatik, wa ummik, wa abik. Le fait d'avoir banalisé les péchés des gens autour de nous, ceux de ton épouse, Yahri, ceux de ta fille, ceux pour les sœurs, ceux de ton mari, mais aussi ceux de ton fils, ceux de ton père, ceux de ta mère, ceux de ta famille, ceux de tes proches. Et en fait, on se rend compte d'une chose très profonde. Ce qui déplaît à nos âmes, on fait l'inkar. Quand quelqu'un te parle mal, tu vas lui dire « arrête de me parler comme ça ». Quand quelqu'un agit mal selon nos propres règles, on va se révolter contre cette chose-là. Et on va lui dire « cesse de faire cela ». Et quand on a des gens autour de nous qui, jour et nuit, désobéissent au Créateur de toutes choses, celui vers lequel nous allons tous retourner, sans aucun doute, musulmans ou non musulmans, et que dans notre cœur, rien ne se passe, cela est évidemment l'expression d'une faiblesse dans la foi. Alors, quelle sera la situation de celui qui a délaissé la droiture ou de celui qui, pire encore, se pense droit alors qu'il ne l'est pas ? يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين اللهم احفظنا من ذلك يا رب العالمين. Ce qui signifie est celui qui se détourne du rappel du tout miséricordieux, on va lui assigner un compagnon proche qui sera un diable. فمن الناس من يمشي وحوله الملائكة ومن الناس من يمشي وحوله الشياطين ومعه الشياطين اللهم احفظنا من ذلك. Il y a des gens qui marchent, mes frères et sœurs, et autour d'eux il y a des anges qui les préservent, qui font des doas, qui font des invocations pour eux. Il y a des gens qui, lorsqu'ils marchent, mes frères, autour d'eux il y a des diables qui ne cessent de leur insuffler des choses néfastes, qui ne cessent de provoquer la haine des gens envers eux. Qu'Allah nous préserve de cela. من ترك الاستقامة يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله عز وجل nous dit dans le sens du verset: et celui qui s'est détourné de mon rappel. Ici, le rappel, les ulama nous disent, c'est le Qur'an al-Karim. D'autres nous disent, c'est le rappel, l'évocation d'Allah. D'autres nous disent, c'est les adorations. Et en vérité, ces trois interprétations sont valables et rentrent dans ce verset. Eh bien, il vivra une vie complètement serrée. Comme s'il vivait avec des pierres sur ses épaules, même s'il ne le ressent pas. Parmi les éléments qui font qu'on vit une vie serrée, comme si on était en train d'étouffer, c'est quand on ne ressent plus l'appel d'Allah. C'est quand le fait de vivre dans les péchés ne fait plus rien à notre cœur. Cela signifie que notre cœur a tellement été écrasé par le poids des péchés qu'il ne ressent même plus l'obscurité dans laquelle il vit. Allahumma ihfazna min dhalik. Et dans le sens du verset, nous allons le ressusciter au jour du jugement en étant aveugle. Il dira: Ya Allah, ô toi mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que dans la vie d'ici-bas je ne l'étais pas, je voyais. Puis Allah Azza wa Jal de lui dire dans le sens du verset: de la même façon que mes versets te sont venus et que tu les as délaissés, eh bien aujourd'hui toi tu es délaissé. Tu as été aveugle aux versets d'Allah, aux signes d'Allah, aux alarmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie dans nos vies par les épreuves, mais aussi par les réussites qu'il nous donne par sa miséricorde. Tout comme tu as été aveugle dans la vie d'ici-bas, tu es aveugle aujourd'hui. Allahumma ahfadna min dhalika rabbal alamin. Wa yaqulu Allahu azza wa jal wa man yu'rid an dhikri rabbihi yaslukhu 'adaban sa'ada. Ce qui signifie: et celui qui s'éloigne et qui se détourne du rappel de son Seigneur, Allah Azza wa Jal, yaslukhu, cela signifie yudkhilhu.
c'est pas simplement il va le faire rentrer en enfer, c'est il va le jeter en enfer. Il y a dans ce terme en arabe une notion de déception, une notion de « je te jette parce que tu es impur ». Vous savez, l'iman, je n'ai pas un qamis blanc aujourd'hui malheureusement, mais pour nos frères et sœurs, nos frères qui ont un qamis blanc, ta foi c'est comme un qamis qui est blanc, une djellaba qui est blanche, quelque chose de tout blanc, de pur. Il ne faut pas s'étonner de se retrouver avec un qamis qui soit taché lorsqu'on va se rouler dans le cambouis, dans la terre et dans les najasats, dans les impuretés. Et c'est une des problématiques, c'est-à-dire on a des gens qui, alhamdoulilah, c'est bien déjà, font la prière, essayent quand même de s'accrocher, mais sitôt sorti en fait de la mosquée, sitôt sorti du rappel, retourne avec ce beau kamis blanc, alors ils ont réussi à le nettoyer pendant une demi-heure, alhamdoulilah, ils se jettent sur la terre et ils se roulent dans le cambouis. Comment est-ce que tu crois que ton kamis va rester sale, tout comme le cœur, qu'Allah nous préserve. C'est la même chose avec la foi. C'est la même chose avec la foi. Si on est musulman simplement pendant une demi-heure, pendant une heure, pendant un moment de nos vies, sachez que peut-être qu'on a des diables qui sont autour de nous. Et vous le savez très bien, on a un qarin tous avec nous, Allahumma ihfadna minhu. On a quelqu'un qui nous suit et qui est un diable, bien sûr, qui est différent de celui qui avait été mentionné dans le premier verset. Eh bien, il est toujours en train de nous inciter. Et on a nos âmes qui nous incitent aussi à ces choses-là, qu'Allah nous préserve. Donc celui qui se détourne du rappel de son Seigneur, il sera jeté avec dédain dans un châtiment qui est permanent. Sa'ada, c'est quelque chose de fort et de permanent. Allahumma ihfadna min dhalik. Wa man idda'a bil iman wa bil istiqamati wa lam ya'rif haqiqata al iman wa l'istiqama faqad yadkhul fi ayatin min ayati Allah azza wa jal. إذ قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Ce qui signifie une personne qui ce n'est pas la traduction du verset que je vous dis, là c'est l'explication avant de vous citer le verset. Et une personne qui va penser qu'il est dans la droiture mais qui ne connaît pas notre din. Une personne qui se dira « Les baisse alayya ». Franchement, alhamdoulilah, je fais ma prière, j'ai fait mon hajj, les baisse alayya. Mais qui ne comprend pas et qui ne sait même pas qu'il vit jour et nuit dans des éléments de l'illicite et dans une ignorance profonde de qui est Allah au niveau dogmatique, eh bien celui-ci en fait peut penser qu'il est déjà arrivé au bout du chemin. Et quand on est arrivé au bout du chemin, mes frères, quand on part en vacances et qu'on arrive à destination, mes frères, on garde sa voiture, on arrête de rouler, parce qu'on a le sentiment d'être arrivé. Et c'est aussi une des grandes maladies dans la communauté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent être arrivés au degré qui suffit à rentrer au paradis. Comme s'ils avaient reçu un ticket. C'est bon, toi tu vas rentrer au paradis, tu seras préservé de l'enfer. وَالْأَمْرُ لَيْسَ كَذَلِكَ. Il y a un verset qui reprend cette notion-là. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le sens du verset, et certains parmi les Arabes ont dit, nous sommes des croyants, dis-leur, vous n'êtes pas encore des croyants. La foi véritable n'est pas encore ancrée dans vos cœurs. Dites simplement, nous nous sommes soumis. Il y a une différence entre le muslim et le mu'min et le muhsin. Le muslim, c'est celui qui reconnaît avec sa tête, mais qui n'a pas encore ressenti. Le mu'min, c'est celui qui reconnaît avec sa tête, qui a ressenti et qui a concrétisé par des actes. Et le muhsin, comme c'est mentionné dans le hadith, c'est celui qui adore Allah comme s'il le voyait. Et il a la certitude que si lui ne voit pas Allah, eh bien Allah le voit. Pour finir, « Man kana ala sirat al-mustaqim » قد يخرج من هذا الصراط اللهم احفظنا من ذلك لمدة مؤقتة وهذا يحصل للجميع بالمعاصي وزلات وهذا للجميع إلا من رحمه الله من أولياء الله سبحانه وتعالى والله حدثنا عن ذلك إذ قال الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Ce qui signifie « Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises, cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. » Quand on parle de la droiture, Akhil Karim, ça ne veut pas dire que tu vas faire un sans-faute. Ça, le sans-faute, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On commet tous des péchés. C'est-à-dire, moi, je ne condamne pas, je ne suis pas en train de dire qu'une personne qui commet des péchés, c'est la pire des créatures au monde. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de vous dire qu'on commet tous des péchés. Par contre, quand on commet un péché,
et qu'on s'en veut, et qu'on se repent, et qu'on essaye de toutes ses forces de ne plus retourner à ses désobéissances, c'est là où on est un croyant. Parce que le croyant ne reste pas simplement dans l'istiqama sans arrêt, c'est trop difficile de vivre comme ça. Peut-être, les rapprochés d'Allah Azza wa Jal, certains dans l'histoire de l'humanité, ont réussi à vivre ainsi. En tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. J'adore et j'oublie. Je fais et je fais des péchés. Je fais parfois du bien et parfois je fais des désobéissances. C'est ma vie, c'est mon existence et je pense qu'on est tous plus ou moins dans ce cas-là. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais. Ça veut dire que parfois on a oublié. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rappeler. Comment on va se rappeler? Par la connaissance de qui est Allah. Comment on va se rappeler? Par le fait de s'attacher à la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment on va comprendre cette voix? Par le fait de revenir au meilleur des créatures, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, ainsi que ceux qui ont suivi, puis ceux qui ont suivi. Et cela, on les appelle les salaf salih, les pieux prédécesseurs. Allahumma ja'alna mutamassikina bi sunnati rasulik, ya rabbal alamin. Demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui soient réellement attachés à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اجعلنا من المستقيمين يا رب العالمين. Demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui soient parmi les droits, يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ذاكرين نتذكر أنك خلقت السماوات والأرض ونحن عصيناك فنرجع إليك بتوفيقك يا رب العالمين. Demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui se rappellent et qui malgré leurs péchés se rappellent, qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala et lui demandent pardon ya رب العالمين. اللهم احفظنا من كل شر ومن كل سوء ومن كل سحر يا رب العالمين. Demande à Allah de nous préserver de tout mal, de tout complot contre nous et de toute sorcellerie qui voudrait nous atteindre, ya rabbal alamin, wa hadha li jami' al-muslimin, ya rabbal alamin. Allahumma ahfaz dima' al-muslimin fi al-Iraq wa fi Suria wa fi Kashmir wa fi al-Yaman wa fi wasat Ifriqiya wa fi kulli makan, ya rabbal alamin, wa kadhalika fi Burma wa fi Sin, ya rabbal alamin, fi kulli makan. Demande à Allah de préserver le sang de nos frères et de nos sœurs qu'on aime pour Allah, même si on ne les a jamais vus. Qu'ils préservent leur sang en Irak, qu'ils préservent leur sang en Syrie, qu'ils préservent leur sang dans tous les endroits comme la Birmanie, comme le Cachemire, comme le Yémen, comme le Centrafrique ou encore d'autres endroits qui ne me viennent pas à l'esprit, ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna nu'minu bik wa namutu 'ala al-iman ya rabbal alamin. Demande à Allah de faire de nous de véritables croyants en lui, en sa perfection, et que nous mourions sur la foi musulmane, ya rabbal alamin, wa aqimus salat.